Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis le responsable du magasin Meubles Gauthier, plan de campagne Marseille. C'est extrêmement centré sur tout ce qui est optimisation, gain de place. Les gens souhaitent aujourd'hui vraiment beaucoup gagner de l'espace dans leur intérieur tout en restant sur du rangement. On commence tout d'abord par l'accueil, forcément, qui est le plus important. Après, la reconnaissance du besoin concerné, savoir exactement en quoi consiste le projet, quelles idées, quelles images ils peuvent avoir dans leur tête ou souvent sur les plans ou les croquis qu'ils peuvent nous fournir afin de se coller au mieux à ce qu'ils cherchent. Ensuite, on passe par la conception du 3D. Alors avant la conception du 3D, il y a la prise de connaissance des plans qu'ils nous fournissent ou alors directement on va aller chez le client selon le projet s'il est conséquent pour faire la prise de mesure immédiate. Et donc ensuite on procède à la réalisation de la conception 3D jusqu'à l'image réaliste. Et puis après il y a tout un suivi client qui se passe une fois qu'on a procédé à la commande jusqu'à la livraison. Alors oui, vous parlez d'un projet client, je pense à monsieur et madame Cotoni qui sont venus donc le mois dernier pour un projet d'aménagement de meubles télé. Ils ne nous connaissaient pas du tout, ils nous ont découvert avec la publicité Gauthier de la météo. Et donc ils ont rapidement essayé de regarder sur le site, voir ce qu'on proposait, ça les a séduits. Ils sont venus donc dans un second temps en magasin pour connaître nos produits. Donc ça a été très rapide, ils ont de suite eu le coup de cœur pour la collection Arco, notamment en chaîne structurée. Ça leur a permis vraiment d'imaginer comme si on leur posait directement les meubles dans la pièce, en recréant la couleur des sols, des murs, les ambiances qu'ils peuvent avoir chez eux. C'est pour ça également qu'on leur demande beaucoup de photos, en plus des dimensions. Et pour eux, ça a été vraiment le déclic. Quand ils ont vu le projet 3D, l'image réaliste à la fin, ils avaient vraiment l'impression d'être directement chez eux et de voir ce que ça pouvait rendre dans l'immédiat. Alors oui, effectivement, le fait d'être une marque française, c'est très important. Je pense que c'est vraiment notre point fort. Les clients nous posent très souvent la question, ça les rassure aussi de savoir que c'est français, que c'est fabriqué chez nous, en Vendée. Je pense que c'est un point fort qu'il faut vraiment mettre en avant, surtout aujourd'hui. Voilà, d'être créateur de meubles, c'est une fierté. J'ai eu la chance d'avoir une personnalité il n'y a pas longtemps et c'était Eric Antoine, le magicien, qui a réalisé la conception de sa maison, qui s'est passée d'ailleurs pendant le Covid. Donc il a été très patient parce que c'était un peu compliqué pour pouvoir, on a réussi à se débrouiller pour le livrer pendant le Covid puisqu'il s'était retrouvé donc sans lit pour lui, pour ses enfants. Mais on a habillé toute sa maison effectivement.